tous, on est revenu dans le Vercors, on est le 18 août, il est 18h10 et on est revenu au coin où j'ai trouvé des girolles pruneuses il y a maintenant 3 semaines et je vais vous mettre en vue subjective, je vais mettre la caméra sur le front et on va chercher ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh oh! Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, des petits moutons! Super, ça commence bien! Hop! Ouais, il y en a là aussi! Eh ben super! On a fait quoi? 3 mètres? Ça dans le filet que j'ai pris. Qu'est-ce qu'on a encore? Celui-là, on va le laisser. Celui-ci aussi, c'est des petits. Ça, c'était quoi ça? Un vieux pied de mouton tout pourri. Allez, attention. Oh, ouais, regardez ça, encore des pieds de mouton. J'espère que vous voyez. Je vais mettre un peu plus vers le sol. Ah bah j'ai pas vu cela. J'aime la texture du pied de mouton. Allez, hop, on ramasse. Celui-ci, très joli. On ramasse. Texture est très agréable en cuisson. Il ramollit pas, il est pas. Hop, allez ça. Il reste bien ferme, très agréable. Superbe. Hop. Voilà, on enlève le plus gros, il y aura moins de boulot plus tard. Celui-ci, on le laisse sous quelques feuilles. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore des petits moutons. Ouais. Excellent. Vous voyez, il y en a plein. Bien fait de revenir. J'étais dans le Vercors, un peu plus en altitude tout à l'heure là, et j'avais je trouvais des îles imbriquées, aussi appelées écailleux, que j'essaierai de préparer en pickles. Le bâton. Il y a plein de. C'est quoi ça? Des lactaires ça? On va voir un petit peu plus haut. Ce qu'on a. Oh, des pieds de mouton! Excellent! Oh, j'en vois encore une tache.
qui sont très très gros. Hein. Et ça, pied énorme. On ramasse pas tout, c'est pas la peine. Il y a largement de quoi faire avec tout ce que je vois. Pop, pop, pop. Là-bas, là-bas. On peut difficilement les rater, hein. Belle couleur, bien vive. Hop. On va laisser un 2. On continue. Il y a une tache ici aussi. Waouh! Ouais, ça fait plaisir. Je sais même pas. Je vais couper que le haut parce que largement de quoi faire avec ça. Je vais les laisser, il y en a tellement. J'en vois d'autres. Ici, encore là. Hop. Continuez. Plein de... une cochonnerie de champignons, ils sont tous secs. Je vois pas de girolles pour l'instant. On va voir, il y en avait plus haut. Attention de ne pas tomber, c'est très pentu. Je sais pas si ça rend la vidéo, mais... Dites-moi hein, si vous en voyez aussi. Écrivez là, en commentaire. Déjà un sacré paquet. Hop. Bon, je vais grimper et je vous reprends quand je suis plus haut. Donc voilà. J'ai coupé il y a 20 secondes, hein, je vous reprends tout de suite. Et on retrouve ici les pieds de mouton. Et j'en vois aussi là, bien orange. Mais ça pousse sous les feuilles, il y en a un peu partout. Alors c'est le plus gros coin à pied de mouton que j'ai pu trouver. Vous voyez, hein, je triche pas, ça fait, il est 6h20, ça fait un quart d'heure et une minute qu'on est ensemble. Déjà tout ceci. Excellent. Oui, je ramasse pas tout, hein. Je vais même pas chercher sous les feuilles, il y en a peut-être, mais je prospecte. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors, une petite parenthèse, je trouve une petite girole qui est toute sèche. Je sais pas si il a fait
si quelqu'un est passé avant ou s'il a fait beaucoup trop sec. Mais elles ressortiront peut-être un peu plus tard dans la saison, celle-ci je vais la laisser. Voilà, si elle peut faire des petits. Et hop. Bon ben voilà, encore des pieds de mouton. Hein. Regardez cette tache là, jolie. Superbe. Ah. Se pose à la pente. Bien raide. Et le reste, on laisse faire des petits. Hop, on monte encore un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne vois rien. Et ben je vous reprends si on trouve quelque chose. Allez, à tout de suite. Bon, c'est très escarpé. Et qu'est-ce que je vois là-bas derrière les arbres? Je vois une belle tache orange. Je pense que ce sont encore des pieds de mouton. On va aller voir ça. J'en ai déjà beaucoup. Mais bon, il y a tellement personne que si je ramasse pas, ça va être perdu. Aïe 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 aïe. Oh, comment je vais y aller? Hop. Olé. Ça, c'est des cochonneries. Ou alors c'est un pied de mouton. Un vieux pied de mouton. On va le ramasser, il est trop abîmé. Excellent! Allez! Eh ben, je vais vous laisser pour la cueillette parce que j'ai un peu de boulot. Et je vous reprends après pour vous montrer le résultat. Alors, la récolte est en cours. Et juste pour vous montrer un petit peu la taille des morceaux. Waouh! Et j'ai pas fini. Hein. Ça rentre pas dans le filet. Il y en a trop, ils sont trop gros. Ouais, tout de suite. Bon, bah, je vais pas tout ramasser. Je vais en laisser. J'ai déjà mon filet qui est plein, plein, plein. Tellement lourd. Ça va me gêner pour la descente. Regardez, il y en a même entre mes jambes. Je vais le laisser. Bien que les limaces se nourrissent. Allez. Reparti. Bon, le soleil se couche, la lumière diminue, je suis en train de redescendre. On va juste ramasser, je voulais vous montrer ces superbes spécimens. Waouh. Alors, il y a plein de champignons, hein. On voit là, on voit là, il y a plein de cochonneries. Là-bas aussi, je me dis que le mycélium là-dessous, ça doit être un sacré... Entre les girolles où il y avait des taches très très grosses il y a encore 3 semaines. Là, c'est pile mouton qui se régale. Ouais, ça rentre plus dans le filet là. Je ne sais pas comment je vais faire pour ça. Alors, je le laisse pour le sport. La taille du truc. Même les petits là, je vais les laisser, hein. J'ai plus de place dans le filet. Voilà. Bon. C'est le moment de se dire au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.